Bâtie entre le printemps 1943 et l'été 1944, la forteresse de Mimoyek est un site de tir d'une des terribles armes de vengeance allemande, le canon V3. Elle a été surnommée « site du canon de Londres », tandis que ce nom de code était « Wiese », ce qui signifie « prairie », et « Bauwer 711 », le site de construction 711. Le V3 est un canon à charge multiple qui permettait d'augmenter la vélocité de l'ogive de manière à étendre sa portée et ainsi d'atteindre Londres tout en étant tiré depuis la France. Le site comportait 5 puits de 5 canons chacun. Il était supposé envoyer 1500 obus par jour. Un second site devait être construit afin de doubler ce nombre. Cet édifice a été victime de nombreux bombardements, mais ce n'est que le 6 juillet 1944 que l'ouvrage sera touché si sévèrement que le projet sera annulé. Le 617e escadron de la Royal Air Force, commandé par le Group Captain Leonard Cheshire, armé des puissantes bombes Tallboy, fit s'effondrer le cœur de l'édifice. En mai 1945, Winston Churchill, conscient de la menace d'une telle arme, ordonnera que la forteresse soit dynamitée. Aujourd'hui, la partie de la forteresse restée intacte a été convertie en musée et est devenue un lieu d'hivernation pour les espèces de chauves-souris de la région.